C'est vous qui commencez ? Allez. Est-ce que c'est nous qui commençons ? Bonsoir à tous, ça nous fait énormément plaisir de vous voir tous ici. Est-ce que vous nous présentez quand même ? Parce qu'on est qui ? Tout le monde ne connaît pas là, ceux qui nous regardent. Rémi, on te laisse nous présenter. Oui. Ah. Alors, voilà, c'est Yann, Ewen et Dimitri. Dimitri n'est pas là. Non, il n'est pas là. Je ne sais pas où il est, mais il n'est pas là. Yann et Ewen nous ont accompagnés pendant, ça fait deux fois, là, le dernier fête du court-métrage et le dernier festival, surtout, qui ont fait la radio du festival pendant les 6 jours du festival et qui vont refaire la radio du festival bientôt. Donc, quand il s'est agi de faire CinéTag, d'imaginer cette émission, évidemment, on a pensé en tout premier à eux qui ont tenu l'antenne et le crachoir avec brio pendant toute la dernière édition. Maintenant, je te laisse la parole. Mais merci beaucoup. Et bien sûr, nous, NVTL, ça nous fait énormément plaisir de participer à cette 15e édition du festival parce que on a adoré. On ne sait plus si c'est 2020, 2021 avec tout ce qui se passe, mais la 15e édition, on sait qu'elle aura lieu et nous, on est trop heureux de le faire et surtout d'être avec vous et même avec vous aussi, Michel et Baya, de vous voir. Je dirais surtout parce que l'année dernière, vous nous aviez dit que vous étiez comme les rois et reines du festival. Est-ce que ça vous met en joie de l'être de nouveau? Ben oui, moi j'aimerais bien que vous nous interviewez encore. Mais qui est le roi, qui est la reine? Ça c'est une question. Non, c'était marin et parraine. Ah oui, marin et parraine. Ouais, c'est ça. Marin, moi je dirais roi et reine maintenant. C'est pas mal. Roi et reine, c'est bien. Ça c'était pas mal. En plus, on a la sensation cette année qu'on va connaître, on va faire quelque chose de tout ce qui nous était interdit, tout ce qui était... Elle était magnifique. Sur le thème, sur des thèmes actuels, sur. Oui, une petite réaction à chaud, Michel. Pas mal comme bonne annonce. Elle a été tournée entre hier et aujourd'hui. Et elle a été tournée il y a quoi ? Il y a 3 semaines ? Il y a 3 semaines. En fait, elle a même été écrite avant les grosses histoires sur la loi, sur le floutage de gueule et tout ça. Donc, elle était presque prémonitoire. Vous êtes doué. Vous avez réussi à prendre de cours. Et tout ça à cause d'un piment. C'est vrai. Non, je peux dire juste un truc, c'est pas à propos, mais j'ai vraiment l'impression qu'on a besoin en ce moment de liberté, quoi, de liberté, de faire des choses en dehors des clous, qu'on nous cloue tout autour, tout le temps, je sais pas si le festival peut donner envie d'être libre, quoi, parce qu'en ce moment, mais je trouve que c'est ce dont on a le plus envie. Oui, c'est une bonne injonction. Ouais.
Ouais, c'est ça. Est-ce que Rémi, tu veux peut-être nous parler aussi de cette bande-annonce? On a pu voir aussi un petit bout de l'affiche à la fin de cette bande-annonce. Est-ce que tu veux nous parler de tout ça? Juste, c'est l'idée de la bande-annonce qui a donné l'idée de l'affiche. Voilà. Et l'affiche, on essaye de faire une petite continuité. L'année dernière, on avait le piment tatoué sur la peau et là, on le tag sur les murs maintenant. Donc, l'idée, voilà, c'est que Paris Courdevant s'incruste un peu partout où il peut. Sur la peau, sur les murs. Voilà, généralement, quand il s'incruste, il reste, je pense. Donc, on va faire tout pour, en tout cas. Et on sent bien l'ambiance joyeuse, jeune. C'est vrai que l'ambiance qu'il y avait ici l'année dernière avec énormément de communication entre les gens, votre plateau qui était toujours ouvert, la musique. Ouais. C'est ça, il y a de la joie. On essaye de mettre de la joie dès qu'on peut, comme on peut. Et vous avez aussi un petit côté sale gosse, comme ça, comme eux. C'est bien. Ouais, on voulait avoir Camille, qui est une des trois comédiennes de la bande-annonce. On voulait qu'elle vienne, mais elle est en tournage, elle était dans le train. Et je crois qu'elle nous a envoyé un petit message. Super. Un petit message vidéo, donc on va l'écouter plutôt. Bonjour, je m'appelle Camille Onficien, j'ai 23 ans et je vais répondre aux questions du festival Paris Courdevant. What the fuck? Non, en vrai, c'était rigolo. J'avais jamais tagué de ma vie, du coup, c'est cool. J'ai pu faire ça au moins une fois dans ma vie et dans la légalité. Je dirais autour du fait que dimanche matin, c'était un peu dur le réveil. Mais non, en vrai, je pense que on a le même âge, on connaît du monde sur nos projets respectifs, ou alors on a passé les mêmes castings, etc. Donc c'est vrai que très vite, il y a du lien qui se crée, quoi. Je ne crois pas me tromper en disant que je ne connaissais personne. Voilà. Là, c'est très malaisant si je connaissais quelqu'un et que je l'ai oublié. Mais je crois vraiment que je connaissais personne. Non, horrible, 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 horrible. On m'a dit, faut que tu te mettes toute nue. Non, je déconne. Non, ils ont été incroyablement gentils. C'était trop super. Vraiment, toute l'équipe était vraiment trop cool. Et tout le monde a vraiment été très gentil. Et ça, c'est vraiment très chouette. Je suis en troisième année, donc dernière année du conservatoire. Non. J'en ai fait deux, à vrai dire. Un durant ma première année et le deuxième, juste avant qu'on tourne la bande-annonce. Mais c'est vraiment toujours des bonnes expériences. Le cons, est-ce qu'il me laisse sortir facilement? Ouf! Ça dépend. Faut un peu battre des cils. Non, ils sont très compréhensifs et ils essayent de faire au mieux pour préserver un équilibre de groupe. Et qu'on puisse quand même, nous, essayer de sortir du nid. Voilà, c'était vraiment une super, super aventure. Et j'ai vraiment beaucoup aimé passer ce dimanche avec vous. Et puis, j'espère que vous aurez un super, super festival. Bisous. Moi, ce que je viens de voir, ça me montre juste que elle a dit qu'elle avait 23 ans, les trois acteurs ont 23 ans et toute l'équipe était jeune, nous on en faisait partie aussi. Ouais. Comment ça se fait là que d'un coup Paris Courdevant devienne aussi jeune Parce que nous déjà on vieillit l'équipe d'un coup très très rapidement. Donc il faut équilibrer, c'est ça la question. Voilà, c'est-à-dire que la moyenne, Non mais aussi on vieillit bien là. Oui. Non mais on trouve ça important, voilà le festival s'appelle Paris Courdevant, les rencontres de l'émergence, Cinétag c'est micro ouvert aussi. Cinéma émergent, donc oui, mais il y a aussi des personnes plus âgées et qui sont aussi émergents, qui font leur premier film à 45 ans, et très bien, et on a pas de limite d'âge à Paris Courdevant, mais là, c'est vrai que les comédiens avaient en effet entre 20 et 23 ans, et l'équipe technique était incroyable, et pour nous aussi, c'est leur donner un coup de pouce, de leur faire confiance en leur donnant des rôles, et ils sont un certain nombre aussi sur ce plateau ce soir, voilà, à dire à une jeune fille étudiante, t'es chef op, toi t'es première réal, oui t'es encore étudiante mais tu vas être première assistante réal, et en effet l'équipe était très jeune et très féminine aussi, beaucoup de jeunes femmes, jeunes filles à des postes importants, et on est très contents et l'ambiance était dingue.
On peut même voir ça. Bah oui. On peut complètement voir ça. Dans le... Oui, d'ailleurs, parce on a que le. Je crois qu'on a un petit document, un petit making of qu'on ouais, peut voir tout de suite. On a le making of du festival. Donc, oui. Je pense qu'on peut annonce. Voir tout ce que de tu disais. Annonce. De la bande annonce. Ah bah quand même. N'importe quoi. On va faire une machine à fumer. Ce qui va se passer dans la bande-annonce, eh bien, en fait, on a une fin de manifestation qui arrive par ici, par le boulevard. Là. Ça commence à castagner un peu, donc tout le monde part un peu en courant. Et on a trois jeunes d'une vingtaine d'années quoi, qui sont dans la manif. C'est une manif écolo. Et puis ils s'en vont de la manifestation parce qu'ils doivent aller faire un truc très urgentement. Et ils vont là où il y a les décos, là qui préparent le mur, ils vont taguer un truc et on arrive sur eux. Et le tag, en fait, c'est le logo du festival. Vous êtes très fiers de votre travail ? Oui. Une config assez légère parce qu'on fait un mini plan séquence et donc il nous fallait de quoi être loin de la caméra, donc on a un transmetteur vidéo et un full focus HF, ce qui permet à la cadreuse d'être totalement libre de ses mouvements. Et on accueille maintenant Manon de Sauve. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes la directrice du cinéma des 7 Batignolles. Ça nous fait énormément plaisir d'être là dans un lieu aussi beau. On était donc là l'année dernière. On est une nouvelle fois ici et on le sera donc en janvier. Est-ce que vous pouvez nous dire l'importance que ça a pour vous aussi qu'un festival comme celui-ci se tienne dans votre cinéma ? Bah, déjà, moi, bonjour. Et ensuite, déjà, je suis super heureuse d'ouvrir juste aujourd'hui et de vous voir tous ici parce que ça me fait plaisir de voir du monde dans le cinéma. Le cinéma n'a pas assez vécu cette année. Et oui, c'est vrai que vous avez beaucoup souffert dur, ouais. Cette ouais, année. J'ai les larmes aux yeux, mais je comprends. Non, je partage. Ben oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai. Et là, c'est vrai que c'est émouvant en fait, de voir du monde dans ce lieu à nouveau. Et donc, je suis ravie que vous n'ayez pas annulé l'émission, que vous l'ayez décalée. Et que. Tu veux dire le festival ? Le festival. Le festival. Ils ont même créé une émission en plus, c'est ça qui est beau. Et oui, c'est particulièrement important pour moi parce que le cinéma, les salles de cinéma, pour moi, c'est avant tout un lieu de vie. Cette année, le cinéma n'a pas assez vécu, il n'y a pas eu assez de monde et j'ai hâte de le voir vivre grâce aux spectateurs et grâce à toute l'animation que vous amenez ici. Et puis par ailleurs, je trouve que l'année 2021, ça va être une année hyper importante de réinvention avec tout ce qui s'est passé avec la crise et je pense que mettre en avant les cinémas émergents, c'est aussi un énorme moyen de réinventer la production de cinéma aujourd'hui. Donc pour moi, ça me semble hyper important de mettre en avant des festivals comme Paris Courdevant. Cool, merci. Ouais, cool. Cool, ouais. Et Nathalie Rémy, vous le disiez tout à l'heure, l'importance aussi de faire ça ici, dans un lieu, le cinéma c'est important pour vous. Est-ce que vous pouvez aussi redire ça, à quel point vous aviez envie de qu'il y ait une édition qui se déroule dans un cinéma comme ça ? Bah oui, sinon on aurait pu. Enfin, on a beaucoup réfléchi sur ce qu'on allait faire une fois qu'on a su qu'on allait être confiné. Et c'est notre décision justement de décaler le festival à une date possible, parce qu'à l'époque où on a pris la décision, on savait pas quand est-ce qu'on serait déconfiné. On a un peu pioché au hasard, mais c'était important que ça se passe dans une salle de cinéma et surtout que les rencontres se passent physiquement, quoi. Les gens en face des gens, c'est vraiment capital. C'est capital pour que naissent les projets justement. On sait
que sur l'émergence, justement, si on n'a pas d'argent, il faut qu'on ait du réseau, du circuit, qu'on connaisse des gens, qu'on échange les projets, que les projets montent comme ça pour qu'ils arrivent à se faire. Et ils ne peuvent se monter que si on rencontre les gens, tout simplement. Donc, Maintenant, il est évident, et on ne jette pas du tout la pierre à tous les festivals qui ont dû avoir, ou les autres événements autour du cinéma qui ont dû avoir lieu en ligne, parce qu'il y a des moments aussi où on n'a pas le choix, il y a des moments où on n'a pas le temps de se retourner. Et faut les saluer aussi parce que tout le monde s'est débrouillé comme il pouvait à devoir vraiment inventer les choses. Voilà, donc nous, en effet, on a pris le risque. Voilà, maintenant, on va toucher du bois jusqu'en janvier. Vous êtes des bâtons quand même, parce que moi, je me souviens avec toutes les annonces. D'abord, bon, OK, on va décaler. Bon, OK, il y a le couvre-feu, on va tout changer. Bon, il y a le confinement. Bon, on va redécaler et finalement, ça va avoir lieu et c'est génial. Moi, je me souviens aussi du jour où je crois que c'était au moment où a été annoncé le premier couvre-feu. Ouais. Je t'ai appelé et nous, on voulait le faire. On s'était dit, tant pis, ouais, on finira plus tôt, c'est bon, c'est comme ça. Voilà, tout aura lieu avant 19h30. Beaucoup de choses le week-end, énormément de choses le week-end. Et je t'ai appelé pour te demander si vous restiez ouvert. Et dans ma question, il y avait aussi une question de ton côté. Mais donc, vous voulez bien aussi faire le festival. Et en fait, on s'est fait du bien toutes les deux. On n'avait qu'une envie l'une et l'autre. C'était qu'on se dise, oui, on y va. Puis, allez, on verra bien. Il fallait peut-être voir les présentateurs. Et est-ce que vous savez où ils sont? On nous a dit ça et je ne les vois pas. Donc ceux qui présentent, qui vont présenter la couture, normalement, ils devraient être là. Parce que normalement, ça commence à être agaçant. C'est Caroline et Marc. Caroline, vous savez où ils sont, pas Cécile et Benoît, vous les avez pas vus? Vous avez présenté l'édition la nuit dernière. Vous ne savez pas où ils sont? Vous pouvez pas les voir, s'il vous plaît, s'ils arrivent, s'ils sont prêts. Ouais, ça serait cool, parce que là, on est un peu... c'est du direct, en plus, on les a prévenus. Traînez pas trop, parce que... on se dépêche un petit peu, même. Okay, merci. Toi, quoi. C'est... à la cool, hein. OK. Je pensais vraiment qu'ils nous auraient repris cette année, hein. C'est incompréhensible. Ouais. On avait mis la barre là, quoi. Et ils te la mettent ici. En fait, c'est humiliant, quoi. C'est humiliant. Ouais. Puis ils sont moches, je trouve. Hein? Physiquement, ils sont moches. Ils sont juste là, il n'y a pas besoin de prendre l'ascenseur. Attends, tu vois, ça n'a même pas commencé, c'est déjà des connards. Ça fait bizarre. Hey, oh, salut. Ah, c'est à nous, c'est ça? Ouais. Non. Ah, bon. Ah, tranquille. Vous avez le temps, là. Passez juste voir si vous n'étiez pas trop stressé. C'est un petit peu là. Carrément. Ouais. Bah, allez-y, hein, changez-vous. Hein, on n'est pas là. Comment ça, changez-vous? C'est-à-dire que là, on est habillé là. Ah bon? Aïe. Mais vous allez y aller comme ça, là? Bah oui, enfin, je veux dire, c'est pas la cérémonie de clôture, là, ce sens, c'est le... Mais oui, c'est informel. Oui. Bah oui, là, du coup, c'est hyper informel, ouais, quoi. Du coup, ouais. Quoi, c'est pas bien? Je suis désolée de vous l'apprendre, apparemment, mais là, on vous introduit ce soir, on vous présente au monde, quoi. Faut que vous ayez une identité forte. Faut une intention, faut... Mais là, on n'a pas d'identité forte, là? Non, mais Pierre-Emile et Nathalie, ils sont hyper exigeants. Ils sont dans le jugement. Ah bon? Ils ont toujours été hyper gentils avec nous. Laisse-moi deviner, ils rient quand vous leur dites des trucs? Ah bah ouais, franchement, tout le temps. Hein. Pinat, elle a un rire hyper fort. Ouais. Non, ça c'est une convenance, c'est une façade, c'est un truc psychologiquement qu'elle utilise pour... Plus ils rient, plus ils doutent. Ouais, surtout que vous n'étiez pas leur premier choix. Quoi? Ouais. Comment ça, on n'était pas leur premier choix? Écoutez-moi, vous êtes très détendu. En d'autres circonstances, mais là, vous saisissez pas les enjeux. Mais Rémi et Nat, ils nous ont dit de venir comme on était. Tu crois que ça suffit? Tu comptais dire quoi, en fait? Bonjour, je m'appelle Marc et j'adore le cinéma. Et toi? Bonjour, je m'appelle Caroline et j'adore être petite. C'est hyper méchant, ça. Bah ouais, mais c'est drôle. Et non, mais Cécile, c'est pas constructif, c'est même carrément contre-productif, et là je pense on joue contre la montre, les gars. Non mais comment vous avez fait, vous? C'est de l'iné principalement. Ouais, mais c'est aussi beaucoup de boulot, vous arrivez comme ça. C'est chiant, travailler des... Écoutez, ce qu'il faudrait, c'est quelqu'un pour vous aider.
Mais vous, par exemple, vous voudriez pas nous aider ? Oui. Oui. Ouais. Vraiment, parce que c'est vous, hein, mais... Ouais. Oh. On va vous filer des petits tuyaux. Merci, c'est gentil. Bon, bah, ils sont pas encore là, apparemment, ça viendra ça peut-être plus tard. Ça a l'air d'être compliqué. Avant d'introduire tout ce plateau là qu'on a reçu pendant cette interlude, je veux vous dire aussi qu'on est en live et qu'on vous lit en même temps. Donc continuez, balancez des questions, exactement. Continuez de nous envoyer des cœurs, il n'y a pas de souci, on accepte tout. Nathalie les prend tous, elle a dit. Elle adore les cœurs. Elle adore les cœurs. Et on va introduire Valentin Besson et Laura Pertuis pour les programmateurs du festival. Donc qu'est-ce que c'est ça, être programmateur? Combien de films vous avez vus? Comment ça s'est passé la délibération? Expliquez-nous un peu tout ça. D'abord, vas-y Valentin. Bonjour. Alors moi, c'est simple, en fait, j'ai pris des cours de tarologie il n'y a pas longtemps. D'accord. Et du coup, quand je vois les films arriver, je regarde les numéros et après je tire les cartes et puis j'ai à peu près la réponse s'il va être en sélection ou pas. Comprends. Alors j'ai un petit peu peur là pour l'édition, mais ok. Mais pourquoi pas. Laura, tu fais pareil? Bah moi je suis plutôt astro en fait. Donc ouais, c'est. Mais t'es ascendante. Cancer, et du coup j'ai pris que des réalisatrices parce que déjà je suis intéressée par le genre. D'accord. Et voilà, je voulais les quitter, mais non, mais on s'est bien entendu quand même, et finalement l'un dans l'autre, ça a marché. On a 31 films qui sont tout à fait divers. 31 films ? Oui. Concrètement, comment ça se passe ? Comment ça s'organise Valentin, tout ça ? Ça fait à peu près 1000 ans qu'il fait ça, donc peut-être qu'il peut nous éclairer. Bon, en fait, c'est pas exactement comme ça. Ah. En fait, déjà, on a reçu à peu près, je crois, 600 films. Et on est pas mal à sélectionner tous ces courts-métrages, parce que ça fait quand même beaucoup de films à visionner. Ah, tu n'as pas vu 600 films ? Je n'ai pas vous vu 600 rien, en fait. Films, j'en ai vu 160 ou 170, okay, j'ai rien dit. Je ne sais plus. Voilà. Donc c'est déjà t'as raté ton confinement, quoi. Ouais, c'est ça. Au moment du déconfinement, j'ai vu 170 films pour rester chez moi. Pour pas... Excuse. Oui. Et donc voilà, donc il y a, je sais plus, on est 25 à peu près à regarder plein de films. Il y en a qui en regardent un petit peu, d'autres beaucoup plus, comme nous. Et du coup, on se retrouve à peu près à une petite dizaine, un dernier week-end avec... Et là, on voit d'ailleurs à l'écran des scènes champêtres. Des scènes champêtres, effectivement. On chasse le Wi-Fi d'abord. Ouais, parce qu'à la campagne, c'est... On est à l'eau tout le week-end. On peut le dire, et jusqu'au bout de la nuit, on délibère. Et en fait, à la fin, il faut plus qu'il n'en reste que 30 pour faire 5 programmes d'une heure 45 environ. C'est ça ? C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de... Vous en avez parlé de 31. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces courts-métrages ? Qu'est-ce qui ressemble à quoi ? C'est quoi ce cru de la 15e édition du festival ? C'est difficile. Je ne veux pas parler d'un film en particulier, mais... Globalement, moi, je suis hyper satisfait de ce qu'on a réussi à faire, parce que c'est une programmation très éclectique, avec vraiment beaucoup de genres différents, beaucoup de styles représentés, beaucoup de thèmes abordés, des thèmes très actuels, des thèmes un peu durs, des thèmes... voilà. Je perds un peu le fil de ce que je dis. Ouais, je crois que, un peu comme chaque année, il y a quand même des thématiques qui se détache. Moi, ce qui m'a marqué, c'est un peu l'adolescence et ce moment de passage. Je crois qu'on a sélectionné beaucoup de films là-dessus. Il y a aussi la question du souvenir, de retrouver la mémoire, retrouver des images manquantes. Il y a pas mal de thématiques comme ça. Évidemment, il y a le fond des attentats, tout ça qui revient un peu. C'est des périodes un peu difficiles qu'on traverse, et ça se ressent à travers les films qui sont proposé. Et voilà, c'est chouette, parce qu'en plus, il y a plein de... C'est une sélection française, mais il y a plein de cultures différentes là-dedans. Et c'est vraiment un beau mélange de tout ce qui se fait, de tout ce qui fait la richesse culturelle. Et voilà, c'est... Ça donne envie. Je pense que là, il y a à peu près tout le monde là qui a envie de voir ces films. Donc on espère être là pour les voir. Bon, on sera là pour les voir, mais on espère... que ça va être incroyable et que tout qui seront tout aussi bons que vous l'avez dit, parce que là ça donne vraiment envie. Merci. Vous avez bien choisi, quoi, parce que aussi. Sinon on vous tombe dessus. Ouais, on s'est pas entretués, tout va bien. Oui, ça n'a pas été trop houleux, les délibérations.
Non, globalement, il y a certains films. Moi, j'aime bien les films un petit peu perchés, qui sortent de l'ordinaire. C'est pas le cas de tout le monde, peut-être. C'est pas forcément le cas de tout le monde, donc je viens avec un petit taser rapidement. C'est toujours ça. Éviter que. Mais c'est trop de contradictions. C'est tout le principe de ce week-end aussi, c'est de se confronter parce qu'on n'a jamais tous le même avis, les mêmes goûts. Donc c'est aussi de voir ce que certains aiment, ce que d'autres n'aiment pas. Et je pense que des fois, les gens changent d'avis même. Donc c'est ça qui est bien. C'est ça qui est super. Assez beau. Ouais. On arrive à avoir un consensus à peu près tous sur la sélection. Voilà. Merci beaucoup. Ça nous a super plaisir, Valentin et Laura, d'avoir participé et de nous avoir présenté tout ça. On vous laisse partir. Pas de problème. Ouais. Enfuyez-vous. Moi, je reste. Laura veut rester. Allez, je reste. Et on n'a pas le choix, il paraît. Donc, on va la garder. J'ai pas le dress code, mais. Elle a, ouais. Il manque le t-shirt, mais bon, c'est pas grave. On lui en fera payer. Laura, peut-être. Tu veux. Alors, si tu veux rester là, c'est toi qui. Bah oui. Je te laisse en charge de continuer l'émission. Allez. Vas-y, à toi. Allez. Rémi Bernard nous a rejoint. Nous sommes en présence aussi de Camille Monin. Bonjour. Et de Natercia Dos Santos, qui sont les deux programmatrices des petits cours de vent. Enfin, non. Qui ne sont pas les deux programmatrices. Donc moi, je fais partie de l'équipe de Paris Cours de Vent et Natercia est une des institutrices qui participe au programme des petits cours de vent. Et donc, il pourra donner son expérience en tant que participante à ce programme. On voulait que tu présentes un peu le dispositif, Camille, et puis Natercia, après, vous raconterez un peu votre expérience sur, puisque vous avez été avec nous déjà sur plusieurs éditions. C'est à toi, Camille. Merci. D'autant plus merci à Rémi et Nathalie qui, lorsque j'ai rejoint l'équipe du festival en 2011, donc ça date un peu, et qui m'ont demandé un peu ce que j'avais envie de faire. Ayant déjà travaillé avec des enfants, j'avais très envie de proposer quelque chose avec les enfants. Donc on y a réfléchi tous les trois ensemble, et on avait surtout envie que, certes, de montrer des films aux enfants, des courts-métrages, mais que les enfants ne soient pas seulement passif d'un film en allant au cinéma, mais qu'ils puissent être acteurs de leur séance. Et de là nous est venue l'idée qu'ils soient le jury de leur séance et qu'ils puissent élire le meilleur film qui pour eux est le meilleur film de leur sélection. La première année, c'était pas forcément évident puisqu'on est parti à la pêche au court-métrage adapté aux 8-10 ans alors qu'on n'avait pas encore ouvert de concours pour les films pour enfants. Mais bon, on a réussi à faire une chouette sélection et je pense que quelqu'un après pourra même vous en parler. Et je pense que ça a été un heureux bonheur pour elle d'y participer. Et puis depuis 2012, du coup, on fait un appel à films pour les enfants donc de 8 à 10 ans. C'est les enfants qui sont entre le CE2 et le CM2. Donc c'est vrai que c'est un autre process au niveau du choix parce que déjà on en reçoit beaucoup moins, il faut dire ce qui est, on en reçoit je dirais entre 50 et 70 les meilleures années, donc on a moins de choix et donc il faut des films qui soient tous différents les uns des autres parce que notre envie c'est de montrer des films, de montrer aux enfants tout ce qui existe comme possibilité dans le court métrage, aussi bien dans la fiction réelle que dans les techniques d'animation voire même du documentaire et même des films étrangers lorsqu'il y en avait. En tout cas, on se fermait à rien. On voulait vraiment qu'ils voient tout ça. Et il faut en même temps que ça puisse être des films pour eux. Ni trop bébés, parce qu'on refuse de se dire que les enfants sont des tout petits et on pense qu'ils ont la capacité de réfléchir d'avoir des sensations, des émotions face à un film. Et pas non plus des films qu'ils ne pourraient pas comprendre. Et autant dire qu'on reçoit beaucoup de films avec des enfants, mais tous les films avec des enfants ne sont pas pour les enfants. Et surtout, ce qui nous importe, c'est de, non pas de guider leur choix, mais de leur donner des outils pour choisir. Donc, ce à quoi on est arrivé, je ne sais plus si c'était la deuxième ou la troisième année, c'était de faire ce dispositif d'aller dans les écoles. Alors, je voudrais que tu m'en parles un petit peu. Dès la première année. Donc, en fait, on avait trouvé les écoles qui voulaient bien venir à cette séance des petits cours de vent. Et on avait expliqué à tous les professeurs qu'on venait dans leur classe avant le festival, donc à peu près une semaine, 10 jours avant le festival, et de prendre ce temps avec les enfants pour déjà connaître leurs goûts et qu'ils reconnaissent qu'ils puissent avoir des goûts différents les uns des autres, pourquoi ils aiment un film, pourquoi ils ne l'aiment pas. Et puis on voulait leur expliquer comment on fait un film pour ne pas juste dire « Ah, c'est nul » et qu'ils se rendent compte qu'un film, que ce soit un court-métrage ou un long-métrage, c'est une grosse équipe, c'est du temps, c'est de l'argent, et à prendre conscience de tout ça.
lorsqu'ils votent, on pense que vraiment c'est un autre mécanisme dans leur tête. Et voilà, et en fait, donc, c'est génial d'avoir. Donc, vous arrivez dans les classes, vous montrez un clap, vous montrez un bout de pellicule, un bout de storyboard, un bout de scénario. Oui, on montre un peu de tout ça. On a de la matière, parce qu'évidemment, les enfants ont besoin d'avoir ça, de toucher, de voir. Donc, ça peut être aussi des making-of, de montrer comment on fait des effets spéciaux. Bon, autant vous dire que ce qui plaît le plus, donc, c'est tout ce qui est-ce que c'est du faux sang, des vrais accidents, du vrai feu. Ça marche très très bien. Mais ils sont quand même vraiment très très intéressés à voir comment se fait un film, du scénario en effet, jusqu'à la distribution en salle. On fait des quiz musicaux avec eux aussi. Et ils sont très 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 actifs et c'est un moyen aussi pour eux de leur donner un temps de parole, sachant que quand ils viennent en salle et qu'ils sont environ 300 mômes, c'est plus difficile de parler. Donc là, on a un vrai échange avec eux et du coup, c'est très qualitatif. Natercia, on va avoir votre expérience. Juste avant de vous faire parler, je voudrais juste qu'on passe les images. On a quelques images, vous montez quelques images de soirée de clôture où les enfants remettent le prix. On regarde ça et après on vous donne la parole. Le prix des petits cours de vin est attribué à Jeanne Czarlerzgui pour le film Opération Commando. Le prix, c'est Plein Ouest. Moi, j'ai bien aimé ce film parce que j'ai trouvé que c'était touchant le sujet. Voilà. Et que j'aimais bien l'endroit où ça se passait. La Suisse. Moi, j'ai bien aimé ce film parce que c'était très touchant à la fin quand le grand frère, il a pleuré. Moi, j'ai bien aimé la fin et j'ai trouvé qu'elle était rigolote. Et que je trouvais que c'était aussi un peu bizarre, que les animateurs, ils étaient un peu bizarres et aussi drôles. J'ai aimé les actrices et les acteurs. Bien, du coup, merci de m'avoir proposé de témoigner sur l'expérience en tant que professeur. Vous parliez tout à l'heure que le piment, il était imprégné de plus en plus dans notre société. Ben, moi, le festival, ça fait de nombreuses années qu'il est imprégné dans ma vie professionnelle et tous les ans, j'imprègne de plus en plus mes collègues. Du coup, ben, je le rends de plus en plus connu et célèbre d'école en école avec mon expérience. Du coup, j'ai très vite accepté de participer avec ma classe. Alors, j'ai eu dernièrement que des CM2, du coup en effet des grands, ce ne sont pas des bébés. C'est des élèves et des enfants qui à leur âge en effet peuvent énormément réfléchir sur tous les thèmes de la société. Et les films choisis tous les ans du coup ben, par les programmateurs des festivals des diverses années permet en effet d'ouvrir la discussion avec nos élèves. Alors, en effet, c'est des élèves imprégnés et qui baignent dans cette société des écrans. Mais pour une fois, comme l'a bien dit Camille, ils ne sont pas passifs. Ils savent que lors de cette projection, on y vient pour quelque chose. L'objectif, c'est de faire gagner quelque chose à quelqu'un. Ils sont toujours très intéressés sur que va gagner le meilleur film. Combien d'argent? Est-ce qu'il va avoir un séjour à l'autre bout du monde? Ils posent toujours ce genre de questions à Camille ou aux autres qui viennent partager leur expérience en amont. Ce moment de partage aussi avec Camille ou les autres participantes, j'ai toujours eu des dames, est super important. C'est vrai qu'elles arrivent avec des termes techniques que les enfants ne connaissent pas. Suite à cette heure et demie, les enfants ressortent en ayant quand même des bases, des termes, ils l'ont dit tout à l'heure, storyboard, le scénario, les plans d'un film. Et du coup, ils se rendent compte qu'ah ouais, un film, ça se fait pas du jour au lendemain. Ah oui, il faut des années pour faire un Star Wars. Ben oui, les enfants. Du coup, ils se rendent compte que être jury ce jour-là, c'est super important. Merci beaucoup, Natercia. Merci beaucoup, Camille. Bah, merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a hâte de vous retrouver aussi. Ouais. Rendez-vous en janvier. Merci beaucoup. Avec nous, oui. On va parler des longs métrages. Ah oui.
C'est une tradition forte pour Paris Cours de Vent de diffuser des longs métrages. C'est une tradition récente. Une nouvelle tradition. Oui. Mais très forte, qui moi m'a beaucoup marquée en tant que spectatrice, en tout cas les dernières années. En avant-première cette année, enfin en tout cas en janvier, on aura Vaurien de Peter de Wonsis. Oui. Je voudrais juste revenir sur le paradoxe. On est a priori un festival de courts métrages et on montre des longs métrages. En fait, c'est pour nous c'est extrêmement logique. Ce sont que des premiers longs métrages, donc et on sait que le réseau, le circuit, le réseau des courts-métrages et le réseau des longs-métrages, c'est pas du tout les mêmes gens, c'est pas les mêmes habitudes, c'est pas les mêmes circuits de financement. Donc c'est assez compliqué de passer de l'un à l'autre pour les réalisateurs, pour les auteurs, pour les producteurs aussi. Donc c'était intéressant. Nous, ce qui nous intéresse en effet, c'est l'émergence, et donc l'émergence aussi dans le monde entre guillemets un peu plus terrible, où la sélection est encore un peu plus brutale, puisque il y a beaucoup de courts-métrages qui se tournent, il y a beaucoup moins de longs métrages, ce qui est logique. Donc passer de l'un à l'autre reste un exercice qui est très délicat, et ça nous intéresse d'accompagner notamment tous ceux dont on a montré les courts métrages, qui sont des habitués chez nous ou qu'on a eu une année, et de les accompagner dans leur passage au long métrage. Donc voilà, ça c'est la première chose. En effet, ensuite, nous avons quelques longs métrages cette année. Je repasse la parole. Tout à fait. Donc en ouverture, on a Vaurien de Peter de Wonsis. Oui, oui. On a aussi Slalom de Charlène Favier, qui est une habituée du festival, ou en tout cas qui a déjà montré un ou deux courts métrages, je crois. En 2015. Oui, tout à fait. La Nuée de Juste Philippot et Gagarine de Fanny Lyotard et Jérémy Trouille. On va voir bientôt la bande-annonce de Vaurien. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce film ? Pas voir la bande-annonce. On va pas voir. Bah, désolé. Vous pouvez la trouver si vous voulez. Tu peux nous faire la bande-annonce peut-être. Vaurien est un film assez remarquable parce que il présente un personnage d'homme qui est double. Qui est à la fois extrêmement séduisant, extrêmement charmeur, et qui est en même temps je vais pas spoiler le film, mais qui a une part d'ombre terrible. Voilà. Et je trouvais très très passionnant justement cette duplicité, en fait. On parle beaucoup de violences faites aux femmes en ce moment, et de masculinité, et de ces choses-là. Donc c'est très intéressant d'avoir un film comme celui-là qui aborde ce sujet un petit peu par la bande, puisque c'est presque un thriller par certains côtés, mais qui montre justement tous les côtés, les beaux, les moins beaux, et ceux où justement la zone grise, où on ne sait pas exactement de quoi est faite la nature humaine. Donc je trouve que c'est très passionnant, c'est très maîtrisé sur un premier film, ça. Ok, donc à découvrir en janvier. Merci beaucoup Rémi. Merci beaucoup. Merci. On va accueillir Marion Dubois d'Arras. Bonsoir Marion, bonsoir. Prenez place. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Nathalie Bessis et Loïc Barcher. Merci de nous avoir rejoints. Marion, je commence par vous. Vous êtes responsable de l'administration générale du syndicat de la critique. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement la raison d'être du syndicat et ses actions ? Oui, alors le syndicat France à la critique de cinéma, c'est une structure qui regroupe des critiques et des journalistes de cinéma. Voilà, et le but de la structure qui s'appelle syndicat, mais qui est vraiment associatif et qui a vraiment pour but de mettre en avant le métier de critique, la critique, l'esprit critique. Donc voilà, on fait pas mal d'activités tout au long de l'année, que ce soit des ateliers d'éducation à l'image. J'entendais les professeurs tout à l'heure parler de ça, et Camille aussi, sur l'importance de développer l'esprit critique des élèves. Et puis on le fait au niveau, que ce soit des collèges, des lycées, des structures, des BTS, etc., des étudiants. Et puis on a aussi développé une formation continue, pareil, pour mettre en avant le métier de critique et développer l'esprit critique au mieux. D'accord. Voilà, donc ça c'est le syndicat fait ça tout au long de l'année, et on a mis en place également
des jurys qui délibèrent, des jurys de critiques de cinéma qui délibèrent dans différents festivals. Donc c'est le cas chez nous, avec trois journalistes qui viendront délibérer de façon publique. Tout donc, à fait. À donc, quoi peut-on s'attendre, moi, si je viens, est-ce que c'est un grand bain de sang, est-ce que, comment ça pas se passe? Pas du tout. Non, le but, c'est vraiment que les critiques de cinéma fassent ce qu'ils normalement font aussi sur leurs différents supports, c'est-à-dire c'est vraiment un métier de transmission. Qui passe évidemment par la critique et par l'esprit critique et puis par cette façon de montrer comment on arrive à un jugement. Donc voilà, le but vraiment de ces délibérations en public, c'est de montrer aux gens comment on se met à réfléchir autour d'un film. Comme on le disait tout à l'heure, un film c'est long à faire, ça coûte cher, c'est beaucoup d'investissement de la part... de toute une équipe, donc c'est aussi mettre en avant ces différentes qualités qui peuvent émerger d'un film, c'est-à-dire le scénario, la musique, l'écriture particulière, la direction des comédiens, etc. La réalisation, évidemment. Et donc les critiques de cinéma, avec leur qualité, leur parcours, le fait évidemment qu'ils ont une connaissance de l'histoire du cinéma, et aussi de parcours de différents cinéastes. Pardon, je suis désolée, je n'ai pas bu avant de... Tant que ce n'est pas le coronavirus, ça va. Non, ce n'est pas du tout le coronavirus. Non, mais voilà, et donc ça leur permet aussi de montrer un public qui a un bagage pour pouvoir étayer parfois son propos critique. Et donc, voilà, c'est de le faire en public pour que tout ça se fasse à peu près en transparence. Et le but est vraiment de mettre en avant les films, les qualités des films. Parfois, en effet, de souligner les petites aspérités d'un film, et les petites maladresses. Mais voilà, toujours en essayant de montrer le meilleur de ce que font les réalisateurs et les réalisatrices. Bon, très bien. Merci beaucoup. Nathalie Bessis, vous êtes déléguée générale d'Emergence depuis 2009. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce laboratoire de création et ces initiatives, s'il vous plaît? Merci. Je suis ravie de parler. Je ne sais pas si on entend. Oui, c'est super. Après la semaine de la critique, on n'est pas au même endroit, mais on est... Oui, parce que je ne l'ai pas précisé, le syndicat de la critique de cinéma a aussi comme activité la semaine de la critique, qui est une section parallèle du Festival de Cannes, et qui découvre 10 courts-métragistes et 7 longs-métrages des premiers et des seconds longs-métrages. Donc voilà, on est vraiment dans du cinéma émergent, la découverte de réalisateurs. Voilà, effectivement, et on est attentifs les uns au travail des autres, on travaille dans la même direction. Il y aura le long-métrage La Nuée qui était en sélection à la semaine de la critique. Qui n'a pas eu lieu à Cannes cette année, mais qui a existé et dont le film sera projeté à Paris Cour Devant. Voilà, donc on partage beaucoup de choses, évidemment, avec le syndicat, avec la semaine de la critique, avec Paris Cour Devant. Voilà, l'idée d'accompagner des cinémas, le cinéma indépendant, le renouvellement des talents, les désirs de cinéma, la fabrique du cinéma et de la fiction émergence, donc ça existe depuis bientôt 25 ans. Et c'est, en fait, plusieurs dispositifs qui ont la même vocation, voilà, d'encourager de faire des paris sur des talents qu'on repère et qu'on accompagne avec le maximum de. Et pour Paris Cour Devant, on parle des exercices. Voilà. C'est vraiment donc les exercices, c'est quelque chose de particulier puisque c'est en fait un point de rencontre. C'est du travail en atelier. Donc après, la vocation première n'était pas d'être diffusée, mais le festival nous ayant invité à présenter quelque chose du travail d'émergence, on a pensé aux exercices, car c'est assez particulier. En fait, c'est un travail en commun de lauréats de plusieurs dispositifs d'émergence. Donc il y a les lauréats réalisateurs qui sont sélectionnés en fait pour un projet de premier long métrage en développement. C'est le programme phare d'émergence, la résidence cinéma. Il y a l'atelier musique, donc il y a des compositeurs sélectionnés chaque année et des comédiens qui réalisent un stage d'acteur à émergence. Et tous ces talents travaillent ensemble dans un délai très court, avec énormément de contraintes, puisqu'on leur donne une proposition de scène identique à tous. Et deux jours plus tard, ils devront tourner en une journée une scène avec des comédiens qu'on leur impose, un décor qu'on leur impose, un compositeur choisi par émergence. Et toutes ces contraintes aboutissent finalement à un résultat souvent plein de liberté, très personnel pour chacun et à des pépites qu'on est heureux de partager avec le public de Paris Cour Devant. Que nous, on découvrira lors d'une séance. Et voilà, donc je vous invite vraiment à découvrir les 5 réalisateurs de cette année. Et à ma gauche, et oui, et Loïc Marché, il y a un réalisateur très talentueux qui avait fait Emergence en 2019. D'accord.
pour son projet. Vous pouvez juste revenir sur votre expérience. Je suis ravie d'être bien entourée entre par rapport à la critique à la et Loïc. Oui, exactement, de l'an dernier. Moi, j'ai trouvé que c'était un exercice très, très intéressant parce que ça se fait très, très vite. Et c'est vrai qu'en général, dans le court-métrage, comme ça met quand même beaucoup de temps à se préparer et à se faire, on a tendance à vouloir être beaucoup dans la maîtrise et à énormément préparer parce que du coup, le temps d'écriture de scénario, de préparation est tellement long pour un temps de tournage qui est très court. On veut que tout soit complètement sous contrôle. Et là, du coup, avec cet exercice-là, on ne peut pas puisque le sujet nous est donné... 2 jours avant le tournage, donc on n'a pas le temps, quoi. Et du coup, c'est un grand apprentissage de la liberté, de l'improvisation. Et du coup, en une seule journée de tournage, on doit inventer beaucoup de choses avec des gens qu'on ne connaît pas, puisque du coup, les acteurs, on les découvre aussi. Et ça, je trouve que c'est vraiment très, très enrichissant. Okay. Merci beaucoup à vous trois. Merci beaucoup à vous et au festival pour cette invitation. Merci. Il faut que tu lances le sketch. Par contre, on n'a toujours pas nos. Alors, je crois entendre de l'oreillette qui galère un peu là. Ils arrivent pas. Est-ce qu'on peut voir où ils en sont là? Parce que ça commence à m'énerver. Ça commence à être un peu limite, quoi. Merci, Lops. Alors, diagnostic. Ah ouais, carrément. Mais oui. Costume, maquillage, coiffure. Même moi? Ah bah, surtout toi. Ça vous donnera pas du charisme, hein, mais ce sera quand même déjà moins désagréable à regarder. Et puis, posture, maintien, attitude. C'est pas la même chose, ça? Non. Voix, diction. Articulation. Attends, et moi j'ai pris 15 ans de cours de chant. Ah, bah chante alors, parce que clairement la voix parlée c'est pas possible. Oui, et c'est une bonne idée parce que ça pourra bien accompagner la Corée. Ah, la Corée du Nord? Graphie. Mais de quoi tu parles? Bah la Corée de Rémi Hénat, c'est celle qui demande à tout le monde tous les ans. Attends, on t'a demandé toi? Mais non, pas bah du moi tout. Non plus, ils m'ont mais pas prévenu. C'est, hein. C'est induit, c'est dans le règlement. C'est tout présentateur devra faire la chorégraphie. Faire la chorégraphie. Voilà, tu vois? Vous avez pas lu les statuts de l'assaut ou quoi? Attends, tu sais danser, toi? Ah oui. Et puis, faut que vous ayez un rapport que vous n'avez pas. Un rapport? Ah ouais. Sexuel? Oh non, et c'est pas, et c'est écrit nulle part dans le contrat. Moi, un rapport artistique. Auguste, clown, good cop, bad cop. Ah bon? Hein? Moi, j'avais l'impression que les filles, c'était pas trop la mode en ce moment. Ouais, attends, et cela dit, on peut pas leur enlever qu'ils passent hyper bien à la caméra. Oui, t'as vu, Focus, il faut que vous soyez un binôme. Non, il faut que vous soyez plus qu'un binôme, il faut que vous soyez un concept. Un concept. Je suis perdu. Ok, écoute-moi. Tu vois, Foresti, Ben, Chabat, Madénian. Non, pas Madénian. Oui, non, oui. Bon, eux, ils ont pas besoin de concept, ils ont du talent. Mais vous? T'es Foresti, toi? Tu n'es pas Foresti. Attends, je me sens pas bien, là. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Appelez la police, là! J'arrive pas à respirer. Bon, un sac. Allez, voilà. Non, mais pas un sac en plastique. Un sac en papier. Ben pardon, j'ai pas fait médecine. Voilà. Tiens. Allez. Ça va aller, là? Eh bien, on n'est pas rendu, je crois. Hein. Ça a l'air d'être assez compliqué. Non, c'est n'importe quoi. Je pense qu'on va revenir sur le festival. Hein. Ça a l'air plus intéressant. Rémi, cette année, il y aura des marchés au projet. Qu'est-ce que c'est, ça, le marché au projet, Rémi? Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, on s'amuse avec les termes. Marché au projet, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'émergence. Les jeunes cinéastes, ils ont absolument besoin de pouvoir montrer leur travail. Et leur travail, avant de pouvoir tourner, c'est leur projet. Justement, et c'est pour ça que on a toute une série de d'événements dans le festival. Il y en a 5 ou 6 avec tous les gens qui travaillent avec nous, où on met en présence des projets et des gens qui peuvent faire en sorte que les projets se réalisent. Voilà. Donc il y a les scénarios vivants, il y a le marché aux producteurs, il y a des cours pour des noms. Voilà. Il y a toute une série comme ça d'événements. Où on essaye de rendre ces projets vivants pour leur donner déjà une réalité avant même qu'il y ait un financement qui tombe et surtout que les énergies se cristallisent autour des projets pour qu'ils puissent arriver, enfin devenir des films en fait. D'accord. Bah, ça a l'air incroyable. Mais j'ai déjà hâte de le voir. Mais oui. Et on a reçu aussi sur le plateau Sarah Verhagen et François Raffneau. On est ravis de vous recevoir, comme d'habitude en fait, finalement. Comme merci. L'année dernière, comme merci. L'année d'avant, j'espère, et comme l'année prochaine, j'espère. On vous a invité, tout d'abord toi François,
parce que tu as gagné le prix l'année dernière de France 2 pour ton scénario, mm-hmm. qui a été lu par des acteurs. Est-ce que je t'interromps. Vas-y, Rémi. En fait, François et Sarah. Là, on parle des scénarios vivants, puisque François était en effet lauréat du prix France 2, qui était dans le cadre des scénarios vivants. On appelle, c'est ce que je disais tout à l'heure, on appelle les scénarios vivants, puisque en fait, les films, ceux-là, ne sont pas encore tournés. Ce sont des courts-métrages qui ne sont pas encore tournés. On fait un appel à projet, on en reçoit beaucoup, beaucoup, plus de 200, je crois. On en sélectionne 4. Et ces 4 sont lus en direct par des comédiens. Ce sont des lectures spectacles qui sont mises en musique par Mathieu, d'ailleurs, ici présent, voilà, qui met les scénarios en musique pendant que les comédiens les interprètent. Je crois qu'on a une petite vidéo qui montre le dispositif, et puis après, on en parlera. On va lancer la vidéo. Parlez-moi un peu de la famille Sinclair. C'était une famille où rien ne va. Avec des histoires de fesses, beaucoup. Hein. Harry en sait quelque chose. Ruben, surpris, remarque que le chien confirme les dires de sa maîtresse en hochant plusieurs fois la tête. Il monte les crocs, fait semblant de mordre. Le seul truc toujours valable... c'est que les gens te laissent crever seul. Tous les trois tournent la tête en direction de la fenêtre de Maria. Tu crois que... Silence total. Ah ouais, pardon, bien sûr. C'est clair. Carrément, t'es trop belle. Carrément. Donc voilà un court extrait des scénarios qui ont été lus. Et donc du coup, je disais, François, tu as gagné le prix France 2. C'est ça, oui, l'année dernière. À quoi il t'a servi alors ce prix ? Qu'est-ce que ça a apporté ? Ça apporte beaucoup. Ben, déjà, le système apporte beaucoup pour avoir un recul sur son travail. Ouais. Ça permet de redécouvrir. En fait, le travail, c'est même unique comme expérience, parce qu'on ne le fait en principe que quand les comédiens ont été choisis, on fait des répétitions. Mais là, d'un seul coup, on voit tout vivre. La musique de Mathieu est très importante aussi, parce qu'elle donne des indications du rythme, en fait, qu'on peut donner à ce film. Moi, ça m'a permis une réécriture, même si j'avais trouvé ça formidable. J'ai trouvé aussi les axes de réécriture. Et puis, bien sûr, après, le soutien de France 2... C'est énorme pour un film. C'est pas seulement financier. D'abord, c'est une reconnaissance qui donne beaucoup de pêche, d'énergie. Mais c'est aussi par rapport au financement suivant, c'est-à-dire aux régions qui sont indispensables pour que le film puisse se faire. C'est l'assurance qu'avec leur aide, le film se fera. Et il faut savoir que quand beaucoup de productions demandent une aide des régions, mais quand on sait qu'on a une chaîne derrière, on a beaucoup plus de chances de l'obtenir. Voilà. Bon, la crise sanitaire a fait que les choses ont pris un petit peu de retard, mais enfin bon, c'est en bonne voie. Voilà. Oui, c'est en bonne voie. Hâte de voir ça aussi. Oui, hâte de voir ça encore une fois. Et toi, Sarah, alors, toi, tu es une inconditionnelle du festival. Hein, toi, tu es là partout, tu fais tout, tu as lu des scénarios, tu as proposé des scénarios, tu as même été sélectionnée. J'ai eu mon premier prix pour mon premier court-métrage il y a en 2011 ou 2012, je ne sais plus, au Petit Cours de Vent. J'ai eu mon deuxième cours qui a été sélectionné. J'ai joué dans des courts-métrages. Je crois qu'en tout, j'ai été dans 5 cours qui ont été ici. Et puis j'ai, oui, effectivement, fait les lectures et puis joué dans les bandes-annonces et puis présenté la cérémonie de clôture. Et je confirme par rapport à ce qu'on est en train de voir de ce qu'ils vivent que j'ai passé une semaine assez rude avant de présenter la cérémonie de clôture, parce que c'est pas un exercice facile quand même. Quand on sait qu'il va y avoir une salle de professionnels qui s'attendent un petit peu à rire quand même. Voilà. Et puis l'an dernier, j'ai eu, je crois, la plus grosse opportunité, parce que toutes ces opportunités-là m'ont apporté des choses. J'ai travaillé, j'ai joué grâce à des rencontres que j'ai faites ici, grâce à des gens qui m'ont vu dans des lectures ici ou dans des courts-métrages ici ou dans la présentation de clôture. Donc quand on parle depuis tout à l'heure, quand vous parlez des opportunités, des rencontres vivantes qui se font, enfin moi j'en ai vraiment été un exemple. Et l'an dernier, j'ai présenté mon scénario de long-métrage pour les scénarios vivants. Et puis j'ai eu droit à un coup de fil après avoir passé le premier tour, puisque du coup je peux dire que Rémi et Nathalie sont vraiment devenus des amis au fil des années,
qui me disait très gentiment « Sarah, tu sais, c'est déjà très très bien que tu aies été sélectionnée, on a reçu vraiment d'excellents courts-métrages, tu sais que c'est pas nous qui décidons. » Et j'ai dit bah, « j'espère bien, parce que j'ai pas envie d'être reprise par copinage. » Et j'ai eu la chance de faire partie des sélectionnés et que mes productrices, que je ne connaissais pas et que je n'avais pas invitées, soit dans la salle, et j'ai donc mon premier long, j'ai signé mon contrat et je suis en développement de mon premier long métrage grâce à Paris Court Devant. Waouh, wow. Voilà, c'est quand même une histoire de cinéma ça. Voilà, je suis là pour dire que ça marche, venez quoi. Normalement ça marche, ben, merci beaucoup ça marche. Sarah merci, et François d'être venus, on vous laisse partir. Et on garde Rémi quand même. Oui, on garde Rémi sous le coude. Normalement on accueille d'autres personnes. C'est moi qui reste debout. Vous êtes nos invités. Vous êtes nos invités. Charles. Assieds-toi. Charles. Bonsoir. Assieds-toi. Bonsoir. Eh bien, bonjour messieurs. Bonjour. Je vais surtout d'abord m'adresser à Benjamin Bonnet. Vous êtes le président, alors je ne vais pas me tromper, donc je l'ai quand même noté, président de la Fédération des jeunes producteurs indépendants. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça, de nous présenter de ce dispositif et cette association ? Alors, l'association, elle existe depuis maintenant environ 10 ans. Elle a été créée par Laurence Lascari. C'est une fédération qui regroupe des jeunes producteurs émergents. Et je tenais d'ailleurs ce soir particulièrement à remercier Nathalie et Rémi qui ont été un peu mes papas et ma maman quand je me suis lancé dans la production au sens de la bienveillance, pas le fait qu'ils pouvaient être mes parents, mais le fait qu'ils m'ont accompagné comme jeune producteur quand j'ai démarré en 2013. Donc, je leur suis fortement reconnaissant et je tenais publiquement à vous remercier. On s'est associé en tant que fédération, c'est environ 100 sociétés de production qui sont des sociétés qui ont entre 0, on va dire, et 10 ans d'existence. C'est une mise en réseau, c'est une manière de les aider à se lancer dans l'activité et dans une industrie qui est pas simple et qui est toujours plus c'est toujours plus efficace quand on est plusieurs. Et on s'est trouvé assez vite avec Paris Court Devant à avoir envie de faire des choses ensemble. On a créé ce marché aux producteurs et aux auteurs qui existe maintenant depuis au moins 3-4 ans. Et cette année, on a eu envie de carrément créer un partenariat encore plus fort et en s'associant à Paris Court Devant, en créant la journée des jeunes producteurs indépendants qui est notre événement phare chaque année et qui aura lieu donc du coup cette année le 11, un peu comme une préchauffe à Paris Court Devant le lundi, la veille du lancement de l'édition 2020-2021. Donc voilà, on a un peu comme eux décidé de la tenir en présentiel, donc de la reculer et de la déplacer au même moment que le lancement du festival. Et cette année, il y aura aussi donc ce marché aux producteurs. Rémi, est-ce que tu peux nous en parler qu'est-ce qui va se passer? C'est plutôt Benjamin qui va en parler mieux que moi. Bah, on a la chance d'être accueillis dans ce lieu magnifique, le cinéma et cette Batignolle. On est aussi avec Manon ravis de pouvoir le faire ici même présentement dans ce lieu-là, puisque ce sera l'espace dédié aux rencontres. En gros, il se passe quoi le 12 dans la journée? Les sociétés de production qui sont membres de la fédération ont la possibilité de rencontrer des auteurs, autrices qui se sont inscrits à travers une plateforme et un appel à projet et qui ont envoyé des formats assez divers d'ailleurs sur la forme de scénarios, et on a organisé avec l'équipe de la fédération des rencontres, c'est-à-dire que grosso modo les auteurs vont rencontrer entre 4 et 5 sociétés de production, les sociétés de production vont rencontrer entre on va dire 8 et 10 auteurs pour qu'on puisse avoir un tournus assez important, et je peux un peu le dire sans trop révéler de grandes surprises. On va doter en fait des prix pour les producteurs et les auteurs qui lors de ces journées-là vont se rencontrer et décideront de partir ensemble sur un projet qui se matérialisera par un contrat de cession de droits d'auteur. Ça c'est un peu technique, mais en l'occurrence c'est un bon moment pour leur permettre d'avoir un premier starter de démarrage de projet, et c'est ce que souhaitent en fait les producteurs qui débutent ainsi que les auteurs qui cherchent des producteurs pour les accompagner et des productrices, puisqu'on a la chance d'avoir beaucoup de sociétés qui sont aussi des sociétés tenues par des productrices. Merci beaucoup. Merci à vous. Et aussi, on n'a pas introduit tout le monde, mais on est aussi avec Charles Ouarès et Alexandre Ferré. Bonsoir.
Et bonsoir. Je vais laisser Rémi discuter avec vous, parce qu'il sera bien mieux placé que moi pour parler du forum des acteurs de Valence. Des auteurs. Des auteurs, pardon. Mais auteurs en fait, je leur laisserai parler du forum des auteurs, mais je voulais juste dire la circonstance, pourquoi est-ce qu'ils sont là particulièrement cette année. En fait, il se trouve que nous sommes partenaires depuis plusieurs années avec Valence Scénario, qui est le Festival international des scénaristes, dont vous vous occupez tous les deux. Voilà. Et il se trouve que en mars dernier, il y avait un pot qui précède habituellement l'ouverture du festival, qui est une dizaine de jours, je crois, avant le festival. Et on est allé à ce pot, évidemment. Et il se trouve que c'est le jour où on a appris qu'on allait être confiné. Et donc, on est arrivé à ce pot et les pauvres, ils ont annoncé à tout le monde que le festival était annulé pour cause de confinement. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'était vraiment le truc. C'était à très, très peu de jours de l'événement. Donc, catastrophe, tout s'est arrêté. Et ils ont annoncé ce soir-là qu'il n'y aurait pas de festival. Et on était tellement de tout cœur avec eux qu'on ne pouvait pas ne pas les inviter cette année à être un tout petit peu présents chez nous, puisque normalement, on aurait dû avoir cette semaine la chance de faire le festival. Donc on va redécaler encore, j'espère qu'on ne va pas redécaler encore, mais il était tellement normal de les inviter à faire un de leurs événements qui s'appelle le Forum des auteurs, dont je vais vous laisser le parler. Voilà. Donc, bienvenue chez nous à reporter, mais bienvenue chez nous et c'est à vous. Merci à toi, Nathalie, à toute l'équipe. C'est vrai que nous, on a été annulés 10 jours avant le festival, donc c'était très difficile de rebondir derrière, mais on ne savait pas combien de temps ça allait durer, donc on ne l'a même pas repoussé. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup touchés quand, avec Nathalie, vous nous avez appelés, on s'est rencontrés, que vous nous avez proposé de mettre en lumière certains des auteurs, parce qu'on fait un travail qui est assez similaire, en tout cas sur l'émergence. Nous, on est évidemment bien avant, puisqu'on est sur l'écriture audiovisuelle. Mais on est également sur les talents émergents. Et c'est vrai, alors là c'est très étonnant, c'est qu'on parle, on parle de toutes les écritures audiovisuelles et on a du court-métrage et pourtant le forum des auteurs, ce sont les projets de long-métrage, mais avec la cohérence dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce sont des premiers longs-métrages. Et là on parle de longs-métrages écrits par des scénaristes. Alors, qu'est-ce que le Forum des auteurs, Charles, je te laisse. Forum des auteurs, pour le faire très rapidement, c'est simple, ça dépend d'une compétition qui s'appelle la compétition création, qui est une des deux compétitions du festival. Il y a la compétition écran, où c'est des projets déjà tournés, et la compétition création, où il y a une multitude de formats, le court-métrage, les séries, l'animation, les nouvelles écritures, les compositeurs aussi qui viennent composer, des nouveaux formats qui vont arriver cette année, on vous le donne en exclusivité, le podcast. Et là, le long métrage, c'est simple, on reçoit une multitude de scénarios, un petit peu comme vous, chaque année. On a un appel à candidature qui est actuellement encore ouvert. Je fais la petite promo du festival. Il faut. Une exclue et de la promo. Au final, parmi toute cette multitude de scénarios, sont sélectionnés 4 projets, 4 auteurs, 4 scénaristes qui vont venir sur le festival. Et en amont du festival, on les présente à ce qu'on appelle des parrains, qui sont des professionnels, des producteurs ou des scénaristes. Ils ont chacun un binôme qui vont choisir le projet et qui vont les encadrer pendant un mois. Comme une vraie prépa d'un film, travailler avec un scénariste qui s'y connaît, qui a déjà bossé, qui connaît un petit peu la machine, et un producteur qui est assez reconnu et qui connaît également la machine pour lui expliquer un petit peu comment ça se passe et retravailler non pas tout le film, non pas tout le scénario, mais comment bien le présenter face à un public. La finalité, c'est le public, le jury et une récompense par le jury de la création. Et l'objectif, c'est évidemment à la fois de présenter un projet, mais aussi de révéler un auteur, de faire un zoom, puisqu'on est sur l'émergence, en disant, attention, talent. Nous, c'est ce qu'on trouve intéressant, vis-à-vis notamment des producteurs, des gens du métier, de dire, intéressez-vous à cette autrice ou à cet auteur, parce qu'on pense qu'il a du talent. Même si ce n'est pas ce projet-là qui vous intéresse, intéressez-vous à lui. Et puis, il y a des gens de très bonne facture qui ont fait le Forum des auteurs. Il y a eu en 24 ans de festival, près d'une cinquantaine de longs métrages qui sont devenus des films. Voilà. Et puis, on connaît des gens qui ont été sélectionnés au Forum des auteurs, n'est-ce pas, Rémi ? Parce que j'ai oublié de préciser qu'on cherche des projets sans producteur, parce que l'un des buts aussi est l'accompagnement professionnel. Et non seulement au-delà de ses parrains, c'est d'accéder aussi au marché et de rencontrer en 4 jours des personnes qu'on ne pourrait pas forcément rencontrer si facilement à Paris ou ailleurs en France ou dans le monde. Et d'ailleurs avec la fédération également. Exactement. Et je suis né à Valence, moi, donc c'est assez incroyable cette histoire. À Valentinois, il y a quelques années. Merci beaucoup à vous trois.
Merci de nous avoir accueillis. Au revoir. Merci, au revoir. Ne tombez pas. On va maintenant parler de l'initiative des cours pour des noms. Ouais, proposée par la maison des scénaristes. Et on va le voir en vidéo. Voilà, ils ne pouvaient pas être là, donc ils nous ont envoyé un petit mot parce qu'ils étaient confinés ailleurs en France, mais ils font aussi partie du marché au projet, puisqu'ils mettent aussi en évidence des auteurs. Donc on va voir leur message. Salut à tous. On vit une période compliquée. Alors, on est désolé, mais on ne pourra pas être avec vous aujourd'hui. Mais on est quand même là. Et le cœur aussi. Pour cette sixième édition... Édition. La première, c'était en 2013. Bref, pour cette septième édition du cours pour des longs. Et merci à Rémi, à Nathalie et à toute leur équipe de nous accueillir. Donc, des cours pour des longs, on va vous présenter trois projets de long métrage. Six longs métrages. Bref, six longs métrages seront présentés. Alors, des cours pour les longs, comment ça se passe? On sera dans une salle de cinéma, une très belle salle de cinéma. On diffuse d'abord le court-métrage de l'auteur, le vidéo-pitch de son projet de long-métrage. Ensuite, l'auteur monte sur scène et répond aux questions des producteurs qui sont dans la salle, mais aussi des comédiens, des compositeurs. Donc, on résume le 15 janvier, des cours pour des longs à Paris-Courdevant. Merci Nathalie, merci Rémi, merci à toute l'équipe. En attendant, portez-vous bien. A plus! Allez, salut à tous! On retrouve Thierry Gary et Anne Broussard. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Vous allez nous présenter Casting en cours, le rôle que vous avez joué cette année pour cette initiative. Je commence? Commence. Bon, alors Casting en cours. C'est un événement qui a été initié il y a 3 ans maintenant, je crois, par Eric Bull, réalisateur et metteur en scène. Et cette année, il m'a demandé de reprendre le flambeau en compagnie de ma camarade Anne. Et c'est un événement qui vise à mettre en lumière tout le processus autour du casting, c'est-à-dire décortique. On filme en fait le processus d'un casting, voilà, de A à Z, pour mettre en lumière le travail de choix qui est toujours un petit peu délicat, parfois un peu insondable de casting sur des comédiens et des comédiennes. Et cette année, on a travaillé avec deux castings, Adèle Esposito et Tatiana Vial. Et on a filmé ces castings en compagnie de Anne il y a 15 jours maintenant. Donc moi, j'étais la caméra à la main pendant toute la journée. Je les ai suivis, je les ai filmés. Donc voilà, donc maintenant, il y a le montage, il y a le processus montage. Et le but de l'opération, évidemment, c'est de diffuser. Il y aura deux films d'à peu près 35-40 minutes qui seront donc diffusés, je crois, le premier jour du festival, le 12 janvier. C'est ça ? Le 12 janvier après-midi à 14h. Ouverture, quoi. Ouverture, carrément. Okay. D'ailleurs, on a un petit extrait, pas de ce que vous allez diffuser, vous, mais pour nous donner... Pardon ? Un petit extrait de ce qui est casting en cours. Ce qui est casting en cours, tout de suite. On a des enfants ? Deux. Ah bon ? Ils ont quel âge ? 13 et 17. Fille ou garçon ? Oui. Et ils s'appellent ? Antoine et Marie-Ève. Et pourquoi ? Parce que la personne que vous cherchez, c'est vous. C'est coupé. Super. On s'en fait une dernière ? Alors maintenant, on va la faire. En fait, elle fait le poirier. Et elle boite. Et elle boite. Ce qui est marrant, c'est que quand on est réplique, on comprend presque mieux ce que dit le directeur de casting aux comédiens. Il me manque ce vrai pétage de plomb. Vous savez, je fais du tai chi. Je peux vous défoncer la tête en deux coups. Dépêchez-vous. Lâchez-moi tout de suite. Tout de suite. C'est un ordre. Mais je vais vous tirer. Eh ben tire, mon vieux. Ouais. Bah. Très bien. Merci. Anne, vous voulez ajouter quelques mots sur le dispositif ? Oui, alors en fait, en amont de la journée de tournage qu'a réalisé Thierry, il y a eu un appel à casting sur deux scénarios, Immensita et Compostelle. Il y avait donc en tout 5 rôles à caster, 3 femmes et un jeune homme et une jeune femme. Et donc il y a eu un comité qui a sélectionné
On a reçu à peu près, je crois, 130 ou 140 à peu près hein, candidatures. Il y a eu un pré-casting avec, Rémi, Nathalie, Thierry et moi-même. Et après, sur ce pré-casting, ça a été envoyé aux directrices de casting, donc Adèle Esposito et Tatiana Vial, qui après ont fait leur choix. Et on suit l'aventure du tournage. On a hâte de découvrir ça en janvier, ouais. En tout cas. Merci à vous deux d'avoir merci présenté beaucoup. Le dispositif. Merci. Merci. Bonne soirée. Et puis Nathalie, tu nous as rejoint. On m'a accueilli Nathalie d'un coup comme ça. Nous dire bah moi, on m'a dit de monter sur le plateau. Est-ce mais que c'était peut-être pour accueillir Isis? Peut-être. Allez. Isis, c'est un vrai coup de cœur, en fait. On se connaît depuis 8 ou 9 ans. En fait, pour la petite histoire, Isis a fait partie d'un jury de lycéens, donc il y a longtemps. Et puis un jour, à une soirée d'équipe, entre nous, on a entendu une voix qui sortait un petit peu de nulle part, quoi. Non, pas de nulle part, en fait, d'elle, carrément d'elle. Et on ne savait pas, en fait, on ne savait pas qu'elle chantait. On ne savait pas et on était complètement... On était quoi? Et voilà, et du coup, bah, chaque fois qu'on a pu inviter Isis à chanter à Paris Courdevant, on l'a fait. C'est un petit peu notre mascotte. On l'adore, elle a une voix fabuleuse. Et voilà, et quand on a pensé à l'émission, on s'est dit, bon, bah, émission, ok, on va parler de cinéma, il va y avoir des comédiens, il va y avoir un pianiste, il va y avoir forcément une chanteuse. Et puis notre chanteuse, bah, c'est Isis. Alors ce soir, c'est une toute première fois. Il s'agit d'une chanson qui s'appelle « En rond » qu'elle a écrite, dont elle a composé la musique. Et c'est la première fois qu'elle joue au piano. Et c'est la première fois qu'elle la chante en direct. Voilà, j'en dis pas plus. Juste le battement de mon cœur, le
battement de mon cœur qui résiste. Je tourne beaucoup. Merci beaucoup Isis. Merci. C'était très beau. On accueille maintenant Anna Marmiès et Sophie Miller. Bienvenue. Merci. Merci. Bonsoir. Vous êtes toutes les deux scénaristes, mais pas que, éco-présidente des Lecteurs Anonymes. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'association et ses actions? Oui, absolument. Bah, déjà, c'est une association qui représente, comme son nom l'indique, les lecteurs de scénarios et également les script doctors francophones. Donc bah, voilà, on existe pour valoriser ce métier-là et tous les métiers, finalement, par extension, autour du développement du scénario. On a voilà. un peu plus d'une centaine de membres. Ça fait 10 ans qu'on existe. Un peu moins longtemps qu'on s'est formé vraiment en association, mais déjà quelques années. Et puis, ça fait par ailleurs aussi quelques années qu'on est partenaire du Festival Paris Court de Vent à travers différents événements et à travers aussi des lectures, par exemple. Pour les scénarios vivants, pour les membres de Lecteurs Anonymes, les courts-métrages, voilà, c'est les membres de Lecteurs Anonymes, entre autres, qui lisent, qui présélectionnent. D'accord. Et cette année, pardon Anna. Oui, je voulais simplement dire que donc Lecteurs Anonymes est association cofondatrice de la Fédération des associations des métiers du scénario, donc la FAMS, qui s'est créée il y a à peu près un an et qui d'ailleurs avait annoncé sa création lors du Festival Paris Court de Vent, en novembre 2019. Donc c'est une association qui, comme son nom l'indique, fédère d'autres associations, des associations des métiers du scénario. Pour l'instant, on est 10 associations, mais évidemment, on s'est amené à se développer. On recrute activement des associations dans tous les métiers du scénario et sur tout le territoire français. Voilà, pour la promotion, la représentation, la défense des intérêts des métiers du scénario, avec un intérêt particulier pour l'émergence. Donc, c'est pour ça que Paris Court de Vent, c'est parfaitement adapté, ça colle exactement. Et voilà, on représente à peu près 1000 professionnels actifs dans les métiers du scénario. D'accord, beau palmarès. Et justement, dans ce cadre, vous organisez une table ronde. Est-ce que vous pouvez juste nous détailler un peu les thèmes et les enjeux? Absolument. Alors, la table ronde qu'on co-organise aussi avec Alban Ravassar, qui est le président de la FAMS, va questionner... On espère, à travers plusieurs dimensions de réflexion, qu'est-ce que vont être les histoires de demain. Alors, vaste programme, mais qui concerne bien sûr l'émergence, le cinéma émergent. C'est-à-dire que, étant donné la crise sanitaire actuelle et qui fragilise largement, on le sait, le secteur culturel, donc on peut se demander aujourd'hui, la chronique d'une catastrophe annoncée, à quel point, forcément, il va y avoir des grands problèmes à affronter. Et est-ce que, du coup, c'est pas l'occasion ou l'opportunité d'aborder des réflexions pour innover dans peut-être notre manière de créer, de produire, de diffuser? Et par ailleurs, comme on peut le constater avec grand enthousiasme, les voix des femmes, des diversités continuent de s'affirmer. Est-ce que les histoires de demain, finalement, vont nous proposer plus encore de nouveaux regards et de nouvelles représentations de notre monde?
Bon, voilà, c'est ce vaste programme-là que, qu'on espère pouvoir aborder avec nos intervenantes et intervenants, qui sont à la fois... productrices, voilà, diffuseurs, scénaristes... Des structures d'accompagnement d'autrices et d'auteurs également, et nous autres aussi, garants des métiers du développement du scénario de demain. Okay, merci beaucoup merci à vous beaucoup. De nous avoir rejoints. Avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. À bientôt. En janvier. Bonsoir, Richard Sidi, Anaïs Bertrand et Nelson. J'ai pas envie d'écorcher, donc je vais dire. Gneracia, c'est bon ? Ah, excusez-moi, Gneracia, oui. On ne m'a pas présenté avant, donc voilà, mes erreurs. Je vais commencer avec vous. Non, pas justement avec vous, avec Richard. Voilà, je me suis inversé, donc c'est mes erreurs. Vous êtes le délégué général de la maison du film. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que c'est, et notamment les intervenants qu'est-ce que c'est ? Alors, la maison du film, c'est une association qui existe depuis 1987. Et qui accompagne la nouvelle création cinématographique. Alors, on propose plein de choses, des conseils, des aides à la production, des ressources, des formations sur tous les métiers du cinéma. Et on a pour objectif de donner à tout un chacun toutes les clés pour tourner. Voilà, donc on essaye d'accompagner tous les gens qui ont un désir de cinéma et les guider, les orienter, les informer, les former pour qu'ils aillent au bout de ce désir. Voilà, et dans le cadre de la prochaine édition du Festival Paris Cours de Vent, on va animer une table ronde qui réunira trois producteurs et productrices. Alors, il y aura autour de la table, bien entendu, Anaïs Bertrand, qui est à mes côtés, qui est une ancienne lauréate du label Nouveau Producteur de la Maison du Film, qui est une dotation d'industrie de 25 000 euros. Il y aura aussi soit Lionel Massol, soit Pauline Seglan des films Grand 8, et aussi la société de production Envie de Tempête, représentée par Frédéric Dubreuil. Et l'objectif de cette table ronde, ce sera, le titre tout d'abord de cette table ronde, ce sera court/long, aller-retour. On ne parlera pas pour une fois du passage du court au long, mais comment on peut passer quand on est producteur ou productrice du court au long métrage indifféremment, et quels sont les désirs de cinéma qui prédestinent à ces choix et ces passages d'un format à un autre. Et justement, Anaïs, vous connaissez bien ces questions de production, donc vous êtes à la tête d'Insolence Production. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur la différence entre produire des courts-métrages et des longs-métrages ? La différence entre produire des courts et des longs ? Ouais. C'est une vaste question. Je pense qu'on va l'aborder déjà. on va l'aborder pendant le festival en janvier prochain. Moi, je crois qu'il y a quand même beaucoup de désirs en général chez les auteurs comme chez les producteurs de passer du court au long. Et évidemment, nous, notre travail, c'est de trouver des auteurs et de les accompagner du court au long. Et quand tu disais effectivement slash plutôt que passerelle, en tout cas, c'est ça. C'est qu'on on doit pouvoir la traverser des deux côtés. Et moi qui viens de produire un premier long métrage qui est sorti en salle et qui suis en financement du deuxième, dont d'ailleurs l'auteur aura un exercice qui va diffuser dans le cadre de la projection Émergence, puisque c'est Jean-Baptiste Durand, chien de la casse. Eh bien, moi, j'accorde beaucoup d'importance encore au court métrage et je veux absolument continuer à en faire parce que je trouve que c'est là qu'on trouve les talents. Et moi, j'ai une vraie passion pour les premiers films, les deuxièmes films en long, mais aussi en court. Donc, j'adore découvrir des auteurs et pour moi, c'est pour ça que je garde les pieds dans le court de toute façon. Et je pense que je ne vois pas encore aujourd'hui à date quand est-ce que j'arrêterai de produire du court parce que j'aime vraiment ça. Merci beaucoup. C'est très intéressant. On a hâte de voir ça aussi. Et toi, Nelson, donc tu fais partie pardon, de l'initiative Yukunkun, c'est ça ? Alors, c'est ma société. C'est ta société. C'est une société de production, ouais. D'accord. Et vous allez faire une table ronde autour des 5 films qui ont été réalisés, c'est ça ? Voilà. Bon, là, dit comme ça, c'est assez flou. C'est assez flou. mais en fait, moi, je viens faire, effectivement, à la demande de Rémi et Nathalie, plutôt un retour d'expérience sur une collection là, que je viens de produire. On a en post-production que j'ai menée en partenariat avec le Conservatoire National Supérieur Dramatique, qui va bientôt s'installer en face. Enfin, en face, je ne sais pas. Et donc, on vient de produire 5 courts-métrages réalisés par 5 réalisateurs, réalisatrices émergents. En l'occurrence Clémence Poésie, Mathilde Chavan, Aurélie Reinhorn, Florent Gouelou et Pierre Jaffery, qui vont tous
passés, qui sont tous en train de passer pour le coup au long métrage et qui ont mis en scène dans 5 courts métrages tout à fait différents les élèves de la promotion 2022 du Conservatoire National. Donc c'était un peu, là on vient, on est en pleine post-production, c'est un peu une sorte de Koh-Lanta du court-métrage, parce qu'on a vécu donc 2 confinements, 35 000 cas positifs et cas contacts de Covid, donc c'était vraiment très marrant à faire. Et on va raconter, normalement on terminera en mars-avril, je pense, la post-production de tous les films. Et l'idée, c'est en compagnie donc de réalisateurs, d'acteurs, de la directrice du conservatoire Claire Lane d'Arcueil, de venir parler de cette collection et de faire comment on a fait rencontrer finalement une même génération d'acteurs, d'actrices. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous. Merci d'être venus. Merci d'avoir pris du temps. Bonsoir, bonsoir. 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 Bon, je ne présente pas Rémi, mais je vous présente vous, Cécile Camp et Xavier Mussel. Donc vous faites partie de l'AFA, de l'actrice et acteur de France associée. Est-ce que vous, Cécile, vous pouvez nous présenter, vous êtes la vice-présidente, est-ce que vous pouvez nous présenter ce que c'est? Mais moi aussi, je suis le vice-président. Comme Xavier est vice-président, je vais le laisser parler et expliquer exactement ce qu'est l'association. Dites-moi. Je vais tenter. L'AFA, actrice et acteur de France associée, est une association professionnelle, donc des comédiens et comédiennes en France. Elle assure une représentation de notre profession auprès des partenaires artistiques et institutionnels. Ça va, vous suivez? Et elle veille aux droits spécifiques du comédien en lien avec les syndicats. Et enfin, elle favorise une réflexion sur notre profession et ses pratiques. Pas mal, c'est clair. C'est plutôt bien, assez concis. Est-ce que Rémi, toi, tu peux nous dire, l'AFA, ça a un lien qui existe depuis longtemps entre Paris Courdevant et l'AFA, justement, qu'est-ce que tu peux nous expliquer? Pourquoi ça dure autant? Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on filme au cinéma? Je crois qu'on filme des acteurs, mais alors ça, c'est une intuition que j'ai. C'est une bonne intuition. Ouais. Merci. C'est une bonne intuition. Et le meilleur texte, le plus beau texte, le film le mieux produit, si le comédien, ce n'est pas celui qu'il faut, le film, il n'existe pas, tout simplement. Donc, c'est absolument capital que les comédiens soient représentés dans les festivals de cinéma. Et c'est pour ça qu'on travaille avec beaucoup, beaucoup de Benoît depuis... Depuis 5 ans maintenant. Oui, voilà. Ça fait 5 ans que nous sommes partenaires et c'est vrai que c'est un vrai plaisir de tisser ces liens et de continuer ainsi et de développer de plus en plus ce que nous faisons ensemble et ça c'est absolument fantastique. Et donc cette année il y aura 2 tables rondes, est-ce que vous pouvez Cécile nous en dire peut-être un peu plus? Il y a même une journée. Oh là là, il y aura deux tables rondes. C'est un festival dans le festival. Exactement. Quoi. Exactement. Non, oui, on aura d'abord une table ronde, justement on parlait des pratiques des acteurs, on aura une table ronde sur le casting, un peu un état des lieux et des perspectives pour savoir ce qui a changé ces dernières années, comment ça a évolué, qu'est-ce qui va encore changer, parce que par exemple en ce moment on voit se développer la pratique des self-tapes de plus en plus de par les conditions sanitaires. Nous aurons aussi une autre table ronde sur le développement de carrière. Le développement de carrière, oui, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le développement de carrière? Bonne question, qu'est-ce que c'est? Eh oui, donc nous aurons des coachs, des managers qui viendront. Nous aurons aussi un agent artistique parce que l'agent aujourd'hui n'a peut-être pas le temps de vraiment... Alors ça dépend de quel agent, pour quel comédien on parle, mais souvent l'agent ne fait plus que de la mise en contact et de la négociation de contrat, mais la gestion d'une carrière, elle ne le fait pas. Mais au-delà de ça, on va surtout se poser la question dans notre monde d'image et de communication, est-ce qu'on peut faire l'impasse d'une réflexion sur son image et comment on la communique, etc., 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 etc. Il y aura aussi quelqu'un de chez Audience qui sera présent pour parler de ce qu'ils font justement pour nos outils de communication. Et en parlant d'outils de communication, il y aura la présence de Julie Péfer, qui est photographe, qui viendra s'installer son studio dans un petit coin du cinéma des 7 Batignolles, qui prendra 40 actrices et acteurs en photo, qui leur fera un portrait à un moment spécifique pour ce festival, une sorte de photocall en tête à tête, mais avec un regard artistique. Ça a l'air super. Voilà. Et on a un dernier événement, Rémi.
C'est Rémi qui a le droit de le présenter. Ouais. Exactement. Allez, ça s'appelle Un scénario à l'épreuve du genre. Ça n'a échappé à personne que les réflexions sur le genre animent beaucoup, beaucoup les conversations en ce moment et avec à propos et justesse, bien entendu. Donc, on a voulu apporter notre petite pierre à l'édifice. Alors, je vais essayer de vous la faire assez clairement. On a trouvé un texte d'un ancien film, un ancien court-métrage qui pouvait se prêter au jeu. Et le jeu est le suivant, c'est-à-dire qu'on a dégenré le scénario, en fait, on a écrit le scénario adapté, on n'a pas changé une seule ligne de dialogue, on a juste fait en sorte que les rôles puissent être interprétés soit par des hommes, soit par des femmes, et on va faire quatre lectures, mises en scène par quatre jeunes réalisateurs, n'est-ce pas Xavier, jeunes réalisatrices et réalisateurs, bien entendu, puisqu'on est évidemment en parité absolue sur cet exercice, et chacun et chacune de ces réalisatrices et réalisateurs vont diriger une lecture, soit avec deux femmes, soit avec deux hommes, soit avec une femme et un homme, soit avec un homme et une femme dans les rôles. Et on va essayer de voir quelle est l'incidence du genre sur la dramaturgie, sur des rôles qui sont sur des textes qui sont strictement identiques. Donc il y aura 12 acteurs et actrices de la FA, actrices et acteurs de France associés, qui participeront à cet événement et qui ont déjà été choisis. Voilà. Et je voulais juste rajouter, Rémi, il y a aussi la question d'âge aussi. Exact, oui. Il y a à la fois le genre et aussi l'âge, en effet, puisqu'on a varié entre... Voilà, exactement. Bon, bah, merci beaucoup. Pareillement, toujours hâte de voir ça et on espère que ça va être très intéressant. Ça, je n'en doute pas. Rémi, j'ai quand même une petite question là, parce que depuis tout à l'heure, on a oublié qu'il y a des présentateurs là. Ils sont où? Ah, j'en sais rien là. Non, mais, oui, il y a quelqu'un qui a des nouvelles? Il y a quelqu'un qui a des nouvelles? Bref. Ils sont où? Ils sont où? On peut aller voir où est-ce qu'ils sont? Merci pour le Zana, Cécile. Je me sens beaucoup mieux. Eh oui, regarde! Regarde comme t'es relax là. Hein? Oh, elle est toute détendue. Eh oui. Et détends un peu les seins aussi là. Vas-y, détends. Ouais, super ça. Je suis pas molle. Je me sens molle. T'inquiète. J'ai mis du gel. Pompe-moi, Marc. Allez, pompe-moi ça. Allez. Allez, pompe-moi plus fort. Mais je suis à fond, là. C'est de la pompinade, ça. C'est bien, mon Marco. Allez. Tu peux t'arrêter. Tu vas rester à plat? Qu'est-ce que je peux faire? Pour le coup, je peux pas t'aider. Non, les chaussures, là. Même quand t'es prêt, on dirait que t'es loin. Mais non, c'est pas des chaussures. Bon, laisse tomber. Je vais te passer les miennes. Tu fais quelle taille? 39. Super, comme moi. Je fais du 37. Allez, pas de bourrée. Saut de chat. Six sonnes. Et jeté. Et un. Et deux. Et trois. Et trois. Et zéro. Et quatre. T'es en avance le temps, Marc. Allez. Porte de tête. C'est bien. Ah, tu vois, t'es content. Ouais. Très bien, t'es prêt, c'est bon. C'est bon. Arrête-toi. Arrête, garde-en pour tout à l'heure. C'est bon. Voilà. J'adore. Ouais, je sais, c'est bien. Voilà. Waouh. Je te regarde et je me dis... Vraiment, je suis très très forte. Prends ma veste. T'es sûr? Oui, frère. Merci. Arrête. Attendez. Les gars, dernière chose. Ouais. La présentation. Quoi? In English. Quoi, in English? C'est qui glitch? La présentation, faut la faire en anglais. Oh, mais le festival, il est en français. Mais attends, t'es beau, mais t'es con, toi. Oui. Leur objectif à Rémi et Nathalie, c'est de niquer Clermont-Ferrand. Donc, faut viser une lâche, non? Tu le fais en anglais. Wouhou, wake up, guys. Okay. Maintenant, Paris court devant, c'est terminé. Ouais. Ok ouais. C'est terminé. Planet runs ahead. Oh, yes. Oh, yes. Yes. Okay. Allez, on y va. Go. C'est vraiment des connards. Des
Gros connard. Ouais. Allez. Fin de journée. Oui, bon, c'est toujours pas ça, on va voir. Hein, bon, on sait pas trop, hein, Rémi. Je sais pas où ils sont, franchement. Ouais, non, on va changer de sujet. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de Saturne en Ile-de-France? Je pense que là, au moins, on a quelque chose de plus intéressant. Oui, oui. Saturne en Ile-de-France. Ben, je voulais que présenter donc Juliette, et puis après, je reprendrai la parole. Bon, bonjour, Juliette James. Justement, vous vous occupez cette année d'une sorte de nouvelle formule de Saturne en Ile-de-France. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Attends. Non, calme-toi. Mais je vais aller vite, hein, je suis comme ça. C'est Juliette, tu vas trop vite. Bonjour Juliette. Bonjour. Donc Saturne en Ile-de-France est un dispositif qui est né à Paris-Courdevant il y a très longtemps. Et je fais un petit peu d'histoire. Et il se trouve qu'on a dû abandonner parce que c'était juste... c'est arrivé à un moment où beaucoup de subventions ont baissé, on ne pouvait plus s'occuper de ça, donc on était obligé d'abandonner le dispositif. Mais on va quand même voir juste la bande-annonce de l'ancien dispositif, et puis après je vous parle de la suite. Voyons ça. Ça, c'était Saturne en Ile-de-France, ancienne version. L'ancienne version, on faisait un concours de court-métrage dans chaque département, où il y avait un vote du public dans chacun des départements, qui lisait chacun un film. Ça faisait un programme de 8 films qu'on montrait au festival, et ensuite, il y avait une finale, etc. Mais c'était des courts-métrages déjà tournés. Et depuis l'expérience qu'on a eue avec Juliette et François, qui n'est pas là, mais qui est là dans nos esprits, on a fait, à l'occasion de la fête du court-métrage, un genre de 48 heures film project, en temps serré. Et il se trouve que pendant la fête du court-métrage, il y a le confinement qui est arrivé. Donc, c'est le seul événement qui a pu avoir lieu, c'est celui-là, c'est-à-dire je ne sais plus comment on l'avait appelé, tu te souviens ? C'était un kino en confinement. C'était un kino en confinement, voilà, c'est ça. Notre expérience très, très, très heureuse avec Kino Pop Panam, qui travaille avec nous sur cette chose-là, nous a donné l'idée de faire un Saturne en Ile-de-France, donc à l'échelle des 8 départements de l'Ile-de-France, où on allait proposer ce que Juliette va nous expliquer. Voilà. Voilà, donc bonjour. Donc je ne suis pas toute seule à organiser ça, on est 3. Donc on a effectivement joué de malchance, puisque les 2 fois où on a voulu organiser quelque chose avec Paris-Courdevant, le confinement a été annoncé pile au moment où ça devait commencer. Voilà, donc on est quand même très très heureux que finalement ça se fasse quand même, parce qu'on a eu un peu peur que ça ne se fasse pas du tout. Donc comment ça va se passer? Alors déjà, ça va être du 4 au 11, donc juste avant... janvier. Voilà, 4 au 11 janvier, pardon. Il faudra s'inscrire, tout le monde pourra s'inscrire, réalisateur, comédien, technicien, compositeur, scénariste. Je crois que je n'ai pas oublié. Non. Voilà, et il y aura donc 7 jours pour faire un film. Il y aura 2 catégories. Une première catégorie, c'est des figures libres, donc les réalisateurs pourront écrire sur un thème imposé qui sera annoncé dans quelques temps. Voilà. Donc, il faut rester connecté. Là, il faut rester connecté. Il faut l'oublier, celui-là. Ouais. Voilà. Donc, je pense d'ici 15 jours, ouais, à peu quelque près. Quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, ça sera libre, quand même dans une limite de temps.
Et la deuxième figure, ça sera avec des scénarios qu'on propose. Donc il y a 5 scénarios qui sont sur le même thème et qui sont dégenrés. En fait, on s'est dit, on a pensé aux comédiens qui avaient peut-être envie de se mettre en scène ou de proposer à un réalisateur, si le texte les branche, d'être filmé, ou aux jeunes réalisateurs qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'écriture et qui pourraient s'emparer de ces scénarios et les faire à leur sauce. Voilà. Et en effet, pareil, ils sont dégenrés, c'est-à-dire que le fait que les personnages soient des hommes ou des femmes, c'est à l'entière responsabilité des réalisateurs qui vont rentrer dans ces gants comme si c'était des gants. L'analogie passée. On a à peu près compris, oui. C'est du lourd. Voilà, donc c'est un exercice en temps contraint aussi, mais un petit peu plus que 48 heures. Et il y a une autre spécificité aussi, c'est que on invite les auteurs, bien entendu, à travailler avec les réalisateurs pour essayer de faire juste grimper un peu le niveau des scénarios, pour qu'il y ait en tout cas une réflexion sur cette chose-là, auteur, scénariste et réalisateur. Oui, il y aura aussi une autre contrainte. Donc, il faudra habiter dans un des 8 départements de l'Île-de-France. Et aussi, il faudra que dans le film, le territoire soit visible. C'est-à-dire que ça ne peut pas être un huis clos et il faut qu'on voit le territoire. Okay. Ça, c'est une des contraintes. On ne peut pas habiter dans un des départements de l'Île-de-France et tourner à La Baule ou. Voilà. Ouais, d'accord. On ne peut pas faire non plus. Un court-métrage dans une cave en Bretagne. Ça ne marcherait pas là. Bah, ça ne marcherait pas. D'accord. Il faut m'inscrire et j'ai fait une cave. Il faut rendre grâce au territoire et qu'on le filme, justement, qu'on se donne la peine d'aller dans le territoire et de le montrer. Ouais. Bah, ça a l'air très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Merci. De l'émission. Et on a avec nous encore une fois Loïc Barchet. Merci de nous avoir rejoints. Et Luc Attot. Loïc, vous avez gagné le Grand Prix l'an dernier à Paris Cours de Vent pour l'aventure atomique. C'est bien ça? Oui, oui, tout à fait. C'est ça. Et Lucas vous accompagne, c'est votre producteur. Oui. Là, vous avez eu la nomination en présélection des Césars 2021. Félicitations. Merci beaucoup. Bravo. Une réaction peut-être? Bah non, mais on est un peu moins d'émotion que pour Paris Cours de Vent, j'imagine. Mais pour Paris Cours de Vent, non, bah c'était énorme. Avec des copains, tous les ans, on fait un classement à la fin de l'année des 5 meilleurs moments de l'année. On fait notre top 5. Et l'année dernière, en 1, j'avais mis Paris Cours de Vent. Oh, ouais, c'est trop mignon. Non, mais c'est un moment très, très fort parce que c'est une reconnaissance que moi je cherche, mais c'est aussi pour toute l'équipe qui a investi tellement de temps et d'énergie pour faire. Pour faire un travail colossal, que du coup c'est une récompense géniale, quoi. Et ce film, on va avoir la chance de le regarder juste après l'émission, donc restez avec nous. Loïc, est-ce que vous pouvez peut-être juste résumer la genèse du film, nous le présenter très brièvement? Oui, alors le film est né d'une mission en fait dont j'avais entendu parler, qui a eu lieu en 61, au moment où la France a décidé d'avoir la bombe atomique. Il fallait faire des essais pour voir ce que ça faisait, est-ce que faire des mesures pour voir à quel point c'était fort et dangereux. Et du coup, ils ont décidé de exploser ces premières bombes en Algérie, dans le désert du Sahara. Et au moment de la quatrième explosion, ils ont demandé à des jeunes soldats de se mettre à quelques kilomètres du point zéro et 20 minutes après l'explosion, de se rapprocher progressivement du point zéro pour faire des exercices de tir, faire des prélèvements pour voir les répercussions et les effets de la bombe sur les soldats. Okay. Lucas, vous vouliez ajouter quelque chose peut-être sur la vie du film en festival par oui, exemple? Oui, bah donc le film, pour le coup, ce qui a été très important pour nous dans le début de carrière du film, c'est Paris Cours de Vent, parce que ça a été un des premiers festivals qu'il a sélectionné et ça a été le premier prix qu'on a pu avoir dans sa carrière. Et le Grand Prix. Et en plus le Grand Prix. Donc ça a été une belle lancée. Pas trop mal. Et donc évidemment là, on est très content d'être dans la pré-liste des Césars. Après voilà, le succès du film, ce qui est important, parce que c'est évidemment bien qu'il soit montré par le plus grand nombre. L'année a été un peu spéciale quand même. Beaucoup de festivals ont été en ligne. Donc aussi, il y a moins de gens peut-être qui se sont déplacés aussi pour les voir, même devant leur ordinateur. Donc on ne sait pas trop. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que
avec les sélections du film qu'on a eu, notamment à Paris Cours de Vent, il y a beaucoup de gens qui sont curieux et qui ne connaissaient pas ce fait divers-là. Et je trouve ça très fort qu'on ait réussi à parler de ce fait divers-là pour le montrer aussi au grand public et d'en faire aussi un film ambitieux, cinématographique et très visuel et qui ait du fond aussi dans l'histoire qu'on raconte. Ça, c'était quelque chose d'important pour nous. Et donc, on est encore très content de pouvoir le remontrer ce soir en ligne, cette fois-ci, au plus grand nombre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'est le moment pour nous de prendre congé. On va quand même partir un moment. Ouais, parce qu'on a le couvre-feu en fait et on n'habite pas à côté. Donc c'est ouais. Et puis c'est à vous de clôturer, c'est pas à nous. Et on a des nouvelles des comédiens. J'ai plus envie d'en entendre parler, moi. Ça. Ouais, mais attends, en même temps, nous on les attend là. Je crois que je vais partir, moi. Je vais. Si tu rentres en Bretagne, maintenant, mais tu ne seras pas avant le couvre-feu, mon gars. C'est pas grave. Bon, prends bien ton attestation. Ouais, je vais essayer. Je sais pas où quelqu'un sont, des nouvelles des comédiens de la clôture. Caro et Marc, c'est un peu galère. Bon, on avait prévenu, hein, le direct, c'est le direct. Ok. Merci en tout cas. Merci. Rentrez bien. On se dit à bientôt, hein, de toute façon. Ouais, vous regardez le film. Ouais. Ok. Je sais pas où ils sont. Hein, Quelqu'un. Quelqu'un. Merci Loïc. Merci Lucas. Merci, pardon. Merci. On n'oublie pas de regarder le film après, ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas du tout où ils sont. Ils sont passés où ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils sont là. Ils sont là. Qu'est-ce qui se passe ? Ça va ? C'est bon. Welcome to the Paris Carnival ceremony. Welcome to the run. We are proud of the rainy. Welcome to the Paris Court of Arts. Marc. Marc. Hello, everybody. Bonsoir. Good evening. Ladies and gentlemen, we are the presenter of the clôture of the festival. Marc, qu'est-ce qui Caroline, tu parles anglais? Why I speak English? Because it's an international festival, you know? It's not only in... It's not only in France. Il y a quelqu'un qui peut nous aider. Thank you very much. Call the police, please. Dial 911. Call an ambulance, please. Hey, Rémi, c'est pas possible. Faut qu'on se parle. Là, faut qu'on fasse. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la tuile là. On a essayé de faire quelque chose, mais il y avait rien à faire. Comment ça? Ils n'écoutent rien. Franchement. Ils en font qu'à leur tête, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait je veux dire, normalement, quoi, c'est eux, hein, à la clôture. Nous, on a travaillé sur une structure, de toute façon, parce qu'on l'avait déjà prévu en amont. Donc, on a un peu bossé. Si jamais, on est dispo. Si jamais. On est prêt. Okay. Non, parce que là, c'est ça va être compliqué. Ça va être je ne vais pas te mentir, Nat. Tu te rends compte par toi-même. Vous êtes dispo en janvier? Mais oui, bien sûr. On a tout, tu sais. Enfin, en tout cas, on peut annuler ce qui est. On s'avance un peu là. Ouais, non. Pardon. Vous leur faites un. On s'appelle. On voit. C'était au cas où. On reste disponible. On reste en contact. Voilà. Là, juste passer un bon conseil. Oui. Réfléchissez-y tranquillou, et puis on se. Ouais. Ok. Non, mais ils vont peut-être aussi. Ça. Je compterai pas dessus, mais. Parce qu'en fait, on a une émission. Oui, non, mais c'est pour ça. Oui, on en reparle, pardon. Ouais. C'est n'importe quoi. Pardon, on oubliait un peu. Cas, texto, mail, bah, vous aussi, c'est bien. WhatsApp. Bon. On va conclure. On va conclure. On voulait remercier tout le monde. Remercier. Tous les intervenants. Tous les intervenants qui ont eu la patience. Et ceux qui ont dû rentrer. VTL Podcast. Et Mathieu au piano, et Isis, et tout le monde, et cette équipe. Et toute cette équipe qu'on les voit, l'équipe technique. On a mis ça en place en très très peu de temps. On était morts de trouille, mais vraiment. Et c'était il nous reste plus qu'à vous dire qu'on se voit ici. Je vais donner rendez-vous au mois de janvier, du 12 au 17 janvier, pour voir tout ce qu'on vient de vous raconter en vraie grandeur. Voilà. Encore merci à tous. Et puis, on a hâte d'être au festival. Il y a encore un peu de boulot, mais voilà, et le podcast sera visible, bien sûr. Merci. Voilà. Générique. On l'a fait en tout cas. Générique.
générique. Ouais.